Ok. Allez, on avance. Ok, il y a eu 2 semaines de vacances. Je connais beaucoup de gens de par Tchornohora, en Ardèche, où je vais tous les étés. Je connais beaucoup de gens qui font partie de cette chorale et ils m'en ont parlé. Et maintenant que je suis étudiant à Lyon, j'en ai profité pour venir les rejoindre à la chorale. Et puis dans une bonne ambiance, j'aime beaucoup l'ambiance qu'il y a. On chante en ukrainien et tout ça. Donc j'aime beaucoup cette chorale. Il y a une très bonne ambiance, les gens sont super sympas. Et il y a toujours ce fond ukrainien qui nous lie tous, donc c'est super. En fait, je suis arrivée donc, à Dodaric parce que je connaissais des personnes qui chantaient, parce qu'il y a presque 20 ans, je faisais de la danse ukrainienne déjà. Et voilà, j'ai retrouvé des amis dedans. Et, comme j'avais envie de chanter, je les ai rejoints. Et... Mais tu parles pas ukrainien, donc tu non. Parles pas forcément, tu comprends. Elle ne comprend pas du tout ce que je prononce. Comment ça marche Eh bien, alors, jusqu'à présent, j'avais des personnes qui transliteraient du cyrillique à un peu de la phonétique, finalement, pour que je puisse lire, prononcer les syllabes, parce que finalement, je prononce des syllabes, je ne prononce pas des mots. C'est le même mot, mais avec les mélodies, on va changer. Comment ça s'appelle? Intonation. Accent. Rachitko, rachitko. Parce que c'est avec la musique. Un, deux. On essaie de ne pas aller trop vite pour les répétitions. C'est pour ça qu'on reprend plusieurs fois les extraits pour bien les mémoriser, surtout que certains ne lisent pas la musique, certains ne lisent pas le cyrillique. Donc c'est d'autant plus difficile et c'est d'autant plus méritant et d'avoir un tel résultat à la fin de répétition. C'est très encourageant et ça, voilà, c'est très motivant pour tout le monde parce qu'on arrive à construire des pièces qui sont parfois pas très faciles. Néanmoins, on essaie d'adapter le répertoire pour que tout le monde puisse s'amuser et chanter sans trop d'efforts, on va dire. Mais il faut quand même des efforts. Et puis, c'est par l'intermédiaire de Natalia, qui est ton épouse, qui est professeure d'ukrainien, Natalia Shevchenko. Donc, je prenais des cours d'ukrainien à Lyon 2. Et puis, à la fin d'un cours, on discutait avec Natalia, les élèves, donc Sonia, entre autres, qui chante avec nous aussi. Et puis voilà, donc moi je lui ai fait part de cette envie qu'on avait depuis longtemps, puis qu'on avait arrêté notre ensemble de danse step donc dans les années 2000. On était un certain nombre donc qui avions dansé ensemble ou qui étions dans l'entourage de ce groupe, avoir envie de faire quelque chose, voilà. Toujours en rapport avec l'Ukraine. J'avais envie de diriger moi mon cœur, mais j'imaginais jamais que ce serait un cœur ukrainien. Et ben, je suis tombé amoureux de l'Ukraine. Et puis voilà, la rencontre s'est faite avec Stéphane. Et puis on est parti pour une grande aventure. Oh,
Patricia, domanda la haie, ora di me dorda muvernosia, et mane puscae, ora di me dorda muvernosia, et mane puscae. Cacciato